Ces voyageurs à destination de Londres doivent prendre leur mal en patience. Ce jour-là, il faut compter près de 6 heures avant de monter dans l'Eurostar. Bah, normalement, il y a des escaladeurs Gare du Nord pour monter jusqu'aux douanes. Et là, non seulement les gens n'arrivent pas jusqu'aux douanes, mais la queue fait tout le tour de la gare. C'est abominable, j'ai jamais vu ça. Là, on en est là, du coup, au début de la liste d'attente, ici, là, pour la douane, quoi. Et c'est justement la douane qui est à l'origine de ces files d'attente sans fin. Depuis plusieurs jours, les douaniers effectuent des contrôles plus poussés et donc plus longs. Ils procèdent à la fouille d'un bagage sur 5 contre 1 sur 20 en temps normal. Une manière pour eux de démontrer le manque de moyens face à un potentiel Brexit. Nous n'avons pas certains bureaux. Sur la gare du Nord, par exemple, le matériel n'est pas encore installé pour pouvoir gérer les flux du Brexit, pour pouvoir gérer tout ce qui va être des taxes et taxations des voyageurs. Actuellement, ils ont déployé, par exemple, des rayons X pour pouvoir faire le contrôle des passagers. Malheureusement, le matériel ne fonctionne pas. Cette grève du zèle perturbe également le trafic. Les trains de Paris vers Londres subissent des retards importants et 34 d'entre eux seront supprimés jusqu'au 30 mars. Eurostar conseille aux passagers de voyager uniquement si nécessaire.